Corsé organise le Cap 48 Easy Trophy avec Cap 48 évidemment, qui est un grand challenge pour la solidarité qui regroupe une trentaine de villes et communes de la communauté française. Et ces villes et communes viennent participer à ce challenge avec une personne par équipe au moins, handicapée, à mobilité réduite, etc. pour essayer de donner toutes les valeurs de nouveau, solidarité, motivation, esprit sportif, esprit d'équipe, fair play, etc. C'est un challenge, donc il y a quand même des résultats et des trophées à remettre. Même si c'est la solidarité qui prime, on a essayé de faire trois catégories, donc qui est l'esprit d'équipe premièrement, le fair play, la sympathie de l'équipe tout au long de la journée, et alors la troisième partie qui est l'esprit sportif, puisque finalement il y a quand même des activités assez sportives aussi, donc on mêle les deux et au final tout le monde gagne, mais ces trois-là seront récompensés un petit peu plus. Top chrono. Ah, c'est une histoire qui a quelques années. Nous avons d'abord été des partenaires de Cap 48 à travers diverses activités. Et puis, depuis l'an dernier, effectivement, sur demande des organisateurs, on s'est lancé dans le sponsoring de cette opération. Très simple, c'est vraiment l'opération qui correspond le mieux à nos valeurs de solidarité. Des équipes qui associent des personnes valides et des personnes moins valides. Qui favorise l'intégration de ces personnes parmi les autres. C'est la notion que nous avons de la responsabilité et de la solidarité. Donc éviter que les gens ne soient laissés de côté, qu'on se déclare solidaire, mais en les laissant dans leur situation dramatique. On préfère cette solution où on les prend par la main et où on les accompagne. Et donc c'était pour nous évident qu'on devait être présent dans cette activité. Et fais-moi sortir un mot. Attends. Non, ça, on dirait du poivre plutôt. C'est pas vrai. Oui, ça c'est du poivre ça. Tu vas nous faire éternuer. Allez, on se met d'accord. Ça doit être la vanille. Non, en fait on hésite entre cacao et vanille si vous avez compris. Moi, je fais une décision collective. Sinon, je ne valide pas. Nous étions l'an dernier à Namur, on est cette année à Durbuy. Je ne sais pas où on sera l'année prochaine, mais quand on voit l'enthousiasme des participants, quand on a un temps comme aujourd'hui, un cadre aussi magnifique, et vraiment, je crois, de voir le bonheur de ces participants, c'est évident qu'on sera toujours avec vous l'année prochaine. Eh oui, un peu. Lentement vers Edouard. Ah, voilà Edouard qui a retrouvé quelqu'un. T'as le même objet? Oui. Voilà. Et toi, Philippe? Super. Mais qu'est-ce que je dois faire exactement? Vous rentrez la tête ici. Allez-y, et vous lisez à voix haute. Hein. Allez, aidez-le. Only Monster. J'aime Génial, c'est super, Mickaël. On est trop loin à 15,50 m. Point d'info qu'ils ont dit. Point d'info. Oui, c'est un point d'info ici. Elle tourne un peu par là, la truc. Voilà, impeccable. Ici devant. Près du bras. Voilà, près du bras. Ici. Ouais, très bien. Déblage. Allez, bravo. Allez, comment ça s'est passé? Ça va, ça a été, mais au début, c'est pas facile. Ils sont tellement bien cachés dans les trous qu'il vaut bien crier partout pour essayer de les trouver. Voilà. Et supporté par votre équipe? Partout, mon équipe, oui, les autres personnes ici tout près. Alors c'est évidemment un beau rendez-vous, très réussi aujourd'hui parce que à la fois le beau temps était là, mais aussi la bonne humeur. Et on a bien senti en parcourant les chemins aujourd'hui que toutes les équipes étaient vraiment heureuses de ce rendez-vous, dans un esprit bon enfant, familial, sincère, très amical et surtout très attentif aussi à ce que les personnes handicapées finalement trouvent leur place dans toutes ces activités et qu'elles se sentent bien et incluses parmi les autres. I'm an
I came to this strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake. La 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 Il ne passera pas l'hiver, c'est désolant, mais c'est comme ça. C'est pas très écologique. Non, il faut jamais passer après le beau vélo de Ravel et Cap 48 et tout ça. Il faut jamais passer derrière. C'est Beyrouth après la guerre. Allez, ben, bonne chance pour votre collage. Merci, merci. Journée pour le beau vélo, mais aussi pour le Cap 48 City Trophy. Ah oui, vraiment une journée de rêve. On est pour le Ravel de la solidarité, avec le soleil comme complice. C'est vraiment rien que du bonheur. Moi, je vois des sourires sur tous les visages. Je crois que tout le monde est heureux d'être là et ça se sent. Une trentaine de communes, c'est de mieux en mieux chaque année. La solidarité s'agrandit, on va dire. Ah oui, c'est sans frontières. Hein. Ils viennent des quatre coins du royaume pour participer à ces joutes. C'est vraiment des jeux sans frontières, quoi, avec dans chaque équipe des personnes extraordinaires. C'est bien, ça fait chaud au cœur. Allez, on est parti. Bon, c'est parti. Bon, on est parti. Bon, C'est magique et ça mobilise aussi par-delà ce qu'on a l'habitude de mobiliser via les communes, ça met les gens en solidarité, les valides et les moins valides. Et je crois que ce qui est important aussi, c'est qu'on en parle partout. Et c'est ça qui compte d'ici l'opération, d'ici la grande opération, que ça puisse se diffuser, qu'on puisse mobiliser, qu'on puisse en parler et puis qu'on puisse aussi évidemment contribuer et financer. Le trophée Fair Play est remporté par la ville de Mons avec 480 points. Wow! Et aujourd'hui, je pense que c'est la victoire de la personne handicapée, mais la personne handicapée au milieu de toutes les autres personnes. L'esprit d'équipe qui va remporter cette belle coupe est l'équipe de Fernelmont avec 472 points. Alors, l'esprit sportif est remporté avec 468 points par l'équipe de Chaudfontaine. Ouais. Rendez-vous l'année prochaine dans une autre commune, avec d'autres défis, des nouvelles équipes, et on espère beaucoup de soleil aussi, et surtout de l'enthousiasme et de la bonne humeur.